le cadeau que je t'offre, c'est vraiment pas grand chose. Cette photo, tu pourras l'accrocher dans un coin sur un mur. Ce sera pas très dur, tu pourras toujours la regarder. Quand tu te sentiras seul et que tu n'auras personne pour te comprendre, pour t'écouter, ou simplement te parler dans le silence. Quand tu auras cessé de croire à tout ce qui change, à tout ce qui bouge, quand tes amis t'auront lâché la main, tu pourras regarder cette photo du sage indien qui n'attend rien. Il semble pauvre, mais il est riche. Et dans ses yeux, son cœur qui brille, il ne dit rien. Si les soucis te prennent parfois et tu n'as plus le cœur de continuer à vivre, de te sentir bien dans ta peau, si tu n'as plus l'énergie d'aller plus loin, changer de ville, changer de train, tu pourras regarder cette photo du sage indien qui n'attend rien. Il semble pauvre, mais il est riche. Et dans ses yeux, son cœur qui brille, il ne dit rien. Quand la vie t'aura donné plus de naufrages et tes amis devront te quitter pour partir dans un autre paysage, quand tu sentiras plus rien sous tes pieds, la terre vide, la terre tremblée, plus rien, plus personne à te raccrocher, tu retourneras à la place comme si tu te regardais dans la glace de la photo que je t'avais donnée. Cette photo du sage indien qui n'attend rien, il semble pauvre, mais il est riche. Et dans ses yeux, son cœur qui brille, il ne dit rien. Cette photo du sage indien qui n'attend rien, il semble pauvre, mais il est riche. Et dans ses yeux, son cœur qui brille, il ne dit rien. Voilà le cadeau que je t'offre. C'est vraiment pas grand chose. Cette photo, tu pourras l'accrocher. Merci, merci beaucoup.